Et le troisième, c'est Rizzetto de Montpellier qui a marqué une fois à l'aller, une fois au retour. Là, c'est Lopo qui obtient un corner et le voilà, il se promène sur la boue. L'arbitre va arrêter le jeu, forcément. Il faudra que quelqu'un se dévoue pour aller prendre le coq. Alors là, c'est scène habituelle, c'est-à-dire qu'il est toujours manqué au moins les cinq premiers essais. Ah là, il s'en va de lui-même. Il va revenir. On peut rester sur le coq, Jean-Paul, parce que M. Pochard ne fera pas reprendre le jeu. Oui, mais il est limite, hein, il n'est pas dans le jeu. Hein. Ouais, mais il va y venir à tout moment. Pour le moment, c'est notre preneur de son qui court après, et visiblement... Ah, on va voir. S'il est des côtes du Nord, non, il n'est pas des côtes d'Arbor. Un coq voltigeur. Allez, il va aller tranquille derrière. Derrière les panneaux, c'est bon. La balustrade. Derrière les panneaux, on prend le jeu. Voilà. Il va se cacher 5 minutes.